Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café. C'est la quotidienne que je vous propose et qui résume en une dizaine de minutes les dernières infos dans le monde du dev. Et en plus, ça tombe bien parce que vous allez pouvoir tranquillement boire votre café pendant tout ce temps-là. Donc finalement, Dev Café, on sent voilà, qu'il y a eu un gros brainstorming derrière tout ça. Bon, en fait, je vous fais quand même un gros storytelling et c'était beaucoup moins compliqué quand j'ai choisi le nom. En tout cas, maintenant, si on revient vraiment à cette vidéo, là, hier, j'étais super content parce qu'il n'y avait pas eu de drama et je me disais, waouh, c'est enfin fini. Eh bien en fait non, parce que là les trois quarts du conseil communautaire de F-Droid a démissionné, et donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. On parlera aussi du HTML qui peut servir de langage de programmation, et non vous verrez, je me suis pas trompé. On parlera aussi un peu d'Epic Games et de ChatGPT, avec toujours aussi quelques petits outils, et ça ce sera dans la deuxième partie. Allez bien maintenant, je vais mélanger un peu tout ça, vous pouvez prendre vos meilleures tasses, vos meilleurs cafés, et forcément pas vide, parce que sinon ça sert pas à grand chose, mais en tout cas cet épisode 339, il commence tout de suite. Hier et vendredi, j'ai déjà eu l'occasion de vous parler de l'Advent of Code qui vous challenge pendant tout ce mois de décembre, et là j'ai trouvé un site qui peut vous aider à résoudre les problèmes. Pour ça, ça s'appelle non pas l'Advent of Code, mais l'Advent of Visualization, et ça permet donc visuellement de voir ce que l'algorithme doit faire. Alors très clairement, il y a un retard entre le moment où est posté l'énigme et l'aide que vous allez trouver sur ce site, mais si vous êtes par exemple en mode, on va dire, pas de pression, ou alors que vous commencez juste la programmation, eh bien comme on dit, ça peut mettre un bon pied à l'étrier. Et donc bien, pour rappel, ça s'appelle tout simplement Advent of Visualization. Bon, maintenant on va aller du côté de F-Droid, et vu que c'est assez long, je vais à nouveau découper en plusieurs parties. Mais déjà, avant d'évoquer vraiment le problème, je vais quand même vous réexpliquer le concept. Et dans l'idée, F-Droid, c'est une boutique d'applications Android, mais qui ne contient que des applications open source. Et la particularité, c'est que ce ne sont pas les devs qui donnent les APK, mais plutôt F-Droid qui a son propre serveur de build et qui va lui-même compiler ce qui est disponible sur les repos. Donc forcément, on va être sûr de ce point de vue-là qu'aucun malware est injecté entre-temps. Et là, pour la faire simple, je vais aussi vous passer le point sur les reproducible builds entre des histoires de clés et tout ça. Mais voilà, en gros, pour la faire simple, c'est open source et vous avez bien la garantie que c'est bien le bon code qui est sur le repo que vous téléchargez. Et là-dessus, j'ai essayé de chercher des infos sur la manière dont est géré F-Droid, parce que par exemple, ils recueillent des dons, mais c'est extrêmement difficile d'avoir des infos, que ce soit sur leur site ou même sur leur wiki. Mais après avoir bien cherché, je suis tombé sur la Commons Conservancy, qui est tout simplement une fondation néerlandaise et qui héberge plusieurs projets open source, dont F-Droid. Et en parallèle de ça, j'ai réussi à trouver un article publié en mars de cette année pour indiquer qu'il y avait désormais un conseil d'administration et tous les membres sont élus par la communauté. Et l'idée de ce conseil, c'est de donner la stratégie, de résoudre les potentiels conflits et aussi de superviser les différents projets, donc d'une manière générale de permettre le développement de F-Droid. Et donc d'une certaine manière, ça permet d'avoir des personnes bien identifiées vers qui se tourner et qui eux auront bien le fin mot sur les décisions. Et ce conseil avait été validé en janvier et il accueille 6 personnes. Et en plus de ces 6 personnes, on en a une autre avec un rôle un peu spécial et qui permet de représenter la communauté, mais sur l'aspect technique. Et c'est un certain Hans-Christoph Steiner, et là si j'évoque son nom, c'est parce qu'il a vraiment une importance. Et donc attention, parce que ça c'est juste le conseil d'administration, et cet été on a eu un conseil communautaire qui a été proposé pour justement éviter que les décisions, vous voyez, elles soient un peu trop centralisées, et finalement que la communauté puisse vraiment s'y impliquer. Et pour ça, toute personne avec le statut de reporter a pu y postuler, et en septembre, 4 personnes sont arrivées. Mais depuis septembre, les choses ont l'air de s'être compliquées, parce que dans une issue publiée il y a 2 semaines, on apprend que 3 des 4 personnes de ce conseil ont décidé de partir, et là je vous traduis leur message. Nous sommes tous responsables devant la communauté. Hans a transformé le conseil communautaire en une véritable farce, en refusant à plusieurs reprises de reconnaître une décision claire du conseil et en sapant l'autorité de notre communauté. Cela marque un nouveau chapitre dans une longue histoire d'actions problématiques pour lesquelles il refuse d'accepter la moindre responsabilité. Malheureusement, cela ne nous laisse pas d'autre choix que de démissionner du conseil communautaire. Donc entre les lignes, on comprend que le fameux Hans, qui a là le rôle un peu spécial, eh bien il aurait tendance à faire un peu plus que son rôle lui permet, parce que pour rappel, il n'est pas directement dans le conseil d'administration. Et un peu plus bas, il a réagi en expliquant qu'il reconnaissait qu'il y avait eu des mésententes et qu'il espérait que les choses iront mieux désormais. Mais c'était sans compter sur un article beaucoup plus détaillé de celle qui s'appelle Faye et qui explique notamment que le fameux Hans lui a mis des bâtons dans les roues parce qu'elle devait avoir le statut de mainteneuse et c'était reconnu par le conseil. Mais le fameux Hans a tout fait pour la freiner.
Et a priori, le temps a monté, ce qui a fait que la situation s'est au final retournée contre elle, parce qu'a priori, elle a eu un peu des paroles un peu blessantes, on va dire. Et elle enchaîne en expliquant que c'est qu'une action parmi bien d'autres et qu'elle peut pas du tout rester dans un conseil qui promeut d'un côté une communauté bienveillante si elle-même ne s'y sent pas en sécurité à l'intérieur. Et là, si je reviens à l'explication de Hans tout à l'heure, il évoque des problèmes personnels ces derniers mois, mais par contre là, on a l'impression que la situation, elle existe déjà depuis un bon petit moment. Et c'est donc là que s'arrête la situation pour le moment, et il reste donc plus qu'une seule personne dans le conseil communautaire. Normalement, ça devrait clairement pas empêcher F-Droid d'avancer, mais quand même, on attend que le conseil d'administration réagisse, parce que c'est justement leur rôle, parce que là, ça fait quand même 2 semaines depuis la publication de cet issue, et on n'a aucune nouvelle. Et là, d'un point de vue totalement extérieur à la situation, on a quand même l'impression que le Famant, il a pris beaucoup plus de pouvoir qu'il lui était accordé, et qu'il était même peut-être un peu aussi en mode, voilà, c'est moi, j'ai tout le temps raison. Donc voilà, on va espérer vraiment que la communauté de ce projet va pas éclater, parce que c'est vraiment quand même le seul projet à avoir une opinion aussi forte sur une boutique d'appli open source. Et d'ailleurs, si certains parmi vous connaissent beaucoup mieux le sujet, surtout n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, quitte même à ce que j'en reparle demain, parce que là j'ai vraiment fait mon maximum pour trouver des infos, mais là quand même pour un projet open source, c'est quand même super difficile de trouver des infos. Et donc ça me faisait un très long sujet à vous expliquer, et avant de passer à la suite, je vous propose qu'on passe une petite tête par les actus en bref. Les jours passent et se ressemblent au niveau des licenciements, puisqu'aujourd'hui 5% des employés de Twilio sont redirigés vers la sortie. Et depuis septembre 2022, c'est le 3e plan de ce type. Et le même type de mauvaise nouvelle se passe chez Codemasters, l'éditeur de jeux vidéo à qui l'on doit notamment les jeux de F1, et on ne connaît pas le nombre exact de départs, mais le motif de changement organisationnel est évoqué. Sans transition, en Chine, que faire quand on est une dictature à l'ère moderne ? Eh bien, on lance un concours pour savoir qui connaît le mieux les règles drastiques sur l'utilisation d'Internet, et dès le premier jour, plus de 450 000 personnes avaient déjà participé au quiz. Toujours en Chine, si vous utilisiez le SDK de DJI pour contrôler des drones, il n'en reste plus que pour Android, puisque ceux fournis pour iOS et Windows ne sont plus maintenus. Sans transition, la directrice financière de HP s'est félicitée devant des investisseurs de verrouiller les acheteurs d'imprimantes dans l'écosystème, puisque cela a permis des hausses de ventes significatives. Et enfin, Microsoft publie depuis quelques temps des vidéos plutôt étranges sur son compte YouTube, et notamment une dernière avec Clippy dans une chaîne de restauration rapide. Il pourrait s'agir d'une énigme, mais le puzzle est difficile à assembler. Maintenant, vu que le sommaire est un peu flingué aujourd'hui, là je vais revenir juste sur 2 petites actus. Et déjà, vous savez qu'en ce moment, il y a le procès entre Epic Games et Google, et d'ailleurs certains dossiers sont déjà sortis, mais là, cette semaine, il y a une petite pause, donc malheureusement, on peut plus sortir les popcorns. En revanche, il y a toujours quelque chose qui m'a fait tiquer et je me suis demandé pourquoi Epic Games ciblait uniquement Apple et Google alors que Microsoft, Nintendo et aussi ont aussi des commissions à 30%. Et on a enfin la réponse, puisque contrairement à Apple et Google, les consoliers vendent certes leur propre matériel, mais surtout à perte. Donc ce serait pour cette raison qu'Epic Games tolérerait mieux un peu la situation, mais finalement pour les devs, ça reste exactement le même résultat parce que c'est 30%. Et l'autre petite info, ça concerne ChatGPT, et la semaine dernière, des chercheurs de chez DeepMind ont trouvé qu'en faisant répéter à l'infini un même mot, et bien au bout d'un moment, ChatGPT recrachait une partie des données d'entraînement. Et en guise de contre-offensive, OpenAI va flaguer ceux qui essaient de le faire et qui pourraient donc perdre leur compte. Et ça semble plutôt être un fixe à l'arrache plutôt qu'un vrai correctif. Alors je sais pas si ça doit parler à certains, mais on dirait que c'est un peu en mode d'urgence, vous savez. Et c'était juste les 2 petites actus, et maintenant on va finir avec des nouveautés qui, on va dire, pourront vous servir, ou peut-être pas, à mon avis c'est plutôt pas. Alors déjà, je vous en ai parlé en intro, et j'imagine que pour vous, l'HTML c'est juste un langage de balisage. Sauf que ça peut aussi être un langage de programmation, avec notamment la notion de pile. Ça reste honnêtement ultra limité, parce que vous allez juste pouvoir stocker des variables, mais par contre, en trichant avec des balises du genre UL, ça va pouvoir être considéré comme des multiplications, et à partir de là, vous aurez des résultats plus ou moins avancés. Mais clairement, je pense que j'aurais pu vous montrer ça un 1er avril, tellement personne n'utilisera jamais ça. Donc au cas où, si ça vous intéresse, je vous ai mis la doc. Ensuite, et comme tous les 2 mois, une nouvelle version d'ElectronJS est dispo et qui se base sur Chromium 120 et Node 18.18.2. Et côté changelog, outre le classique ajout et suppression, c'est surtout l'arrivée du support des ESM. Alors si toutefois l'acronyme vous dit rien, ça veut tout simplement dire les modules ECMAScript. Et d'ailleurs, ça s'applique autant aux applis Electron qu'à Electron Forge, qui est tout l'outillage permettant le packaging et la distribution des applis en Electron. Et donc, vous retrouvez tout ça dans Electron 28. Ensuite, on a des modifications qui vont arriver sur Chrome. Et déjà, vous avez dû remarquer qu'il y a un bouton pour installer des sites. Et en effet, quand c'est une PWA, ça permet de l'installer. Sinon, tout simplement, ça va rajouter un raccourci.
Sauf que Google demandait jusqu'à présent un certain nombre d'éléments dans le manifeste, et notamment un service worker pour s'assurer d'avoir du hors ligne. Mais tout le monde ne l'implémentait pas forcément, et c'est pour ça que depuis quelques mois, il n'est plus obligatoire d'implémenter la méthode qui s'appelle fetch, qui justement se charge du hors ligne. Mais par contre, ça reste encore obligatoire de l'implémenter, tout simplement il faut rien mettre dedans. Et donc là, l'idée c'est qu'il sera bientôt inutile de le faire, et surtout que d'autres attributs du manifeste qui aujourd'hui sont obligatoires deviendront optionnels, mais par contre, on n'a pas les éléments précis. Et l'autre modif côté Chrome, c'est en CSS avec le support de nouvelles fonctionnalités, avec le support de l'autophrase en japonais et qui s'assure que le saut de ligne est bien cohérent. On a aussi le texte autospace pour bien s'assurer que l'espace entre chaque caractère est cohérent, et pareil avec la ponctuation. Et aussi, avant Chrome 118, la taille des polices pouvait mal fonctionner dans les langues asiatiques et aussi en arabe sur des tailles inférieures à 10 pixels, et donc là c'est corrigé. Et donc voilà tout pour les deux communications que Google vient de nous faire, et ça affecte autant Chromium que Chrome. Et c'était donc tout pour ce numéro, et donc surtout n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochains numéros. Et maintenant, comme je vous l'ai expliqué hier, je pars aujourd'hui et demain, et d'ailleurs même quand vous regardez la vidéo, je suis déjà parti, donc je sais pas si j'arriverai à vous faire des vidéos, et donc surtout regardez bien éventuellement la partie communauté parce qu'au cas où je vous le dirai. Mais en tout cas, de mon côté, je vais me trimballer avec tous mes micros, toutes les lampes, et d'ailleurs à chaque fois j'ai vraiment l'impression de déménager, en tout cas je vais faire le maximum pour que ce soit le cas. Donc là, je vous dis pas nécessairement rendez-vous demain, mais par contre, pour sûr, je vous souhaite une très très belle journée.